pas encore commencé. Vite fait, oh. Vous voyez alors que je lance encore le live là. Hey. Vous voyez alors que je lance. Je lance encore le live. Papa, 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 j'ai pas eu le temps de chercher la musique vite fait. Oh. J'ai vite lancé, vite fait. Comment allez-vous? Je sais que vous allez bien. Je ne vais pas mettre du temps. Ça, c'est la vérité. Je ne vais pas mettre du temps. Ça, c'est la vérité. Veuillez partager, s'il vous plaît. Bonsoir, Céline Nadège. Bonjour. Bonjour à tous. Vous voyez, mon téléphone était arrêté pendant des semaines, pendant 3 jours. Les messages. Oh. Les messages de ça. Comment allez-vous? Bon, je vais zapper la phase de musique là, parce que de toute façon, pour mettre la musique, je ne peux pas en avance. Je vais zapper la phase de musique. Je vais faire un petit live vite fait. Je ne me suis pas maquillée aujourd'hui là. Je vais faire un live vite fait, bien fait ou mal fait. Ce live-là va concerner, va nous. Ce live-là serait plus sur notre manière à nous en général de se comporter, hein, par rapport aux situations de nos compatriotes. Mes chers compatriotes, mes chers Gabonais, quelle nouvelle coupe? C'est la même coupe, non? C'est la même coupe que j'avais hier, c'est les Grelots, là j'ai juste attaché. C'est la même coupe, oh. Je ne suis même pas encore allée au salon. C'est la même coupe. C'est la même coupe, c'est forcément varié. Forcément varié, comme j'aime pas la monotonie. C'est la même coupe d'hier, c'est les mêmes locks là. Tu attaches seulement, tu amarres. Demain, je pourrais les faire comme civil derrière. Mais t'inquiète, c'est la même coupe. Bien, aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a rien fait. Donc, je n'ai même pas l'information sur lui. Mais donc, vu la situation du pays et comment les uns et les autres ont s'est lancé sur ça. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler. Oh là là, non. Il va être 14 heures. Je vais encore faire un live vite, vite, vite en regardant le temps. Être mère, c'est vraiment horrible. Hein? Il me faut une ménagère, quoi. Tu n'as pas le temps pour toi. À peine tu te poses le cul, pardon, autant pour moi, j'arrive à peine de la ville, tu poses, tu as envie de parler, il faut rechercher, retourner aller chercher, tu dois ramener à la maison, tu dois donner le goûter, tu dois. Oh putain! Oh, bref, pourquoi je vous parle de ça même? Alors qu'il y en a qui souffrent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de Ange Dingo. Ange Kevin Dingo. Je ne le connais pas en tant que tel. Il m'a rien fait. Vous voyez, je vais peut-être avoir une position qui ne va pas plaire à beaucoup de résistants ou activistes. Comme vous le savez bien, ce que vous pensez de moi est le dernier de mes soucis. Mais je vais peut-être avoir une position qui n'est pas partagée par tous mes compatriotes concernant Anzingu. Pourquoi je vais parler de Anzingu là? C'est parce que vu la situation de notre cher compatriote Crépin, ça me donne cette petite envie de vouloir dire certaines choses. Nous avons tendance à confondre le combat que certains ont pris pour un combat de guerre, surtout on doit tirer sur tout le monde, même ce qui est bien. On confond tellement de choses qu'on ne sait plus à quel moment une chose, quelle est la logique des choses, qu'est-ce qui doit être dit ou qu'est-ce qui doit être fait ou qu'est-ce qui doit être dénoncé à notre combat qui est, c'est-à-dire enlever les bongos. Donc, nous avons pris que nous devons tirer sur tout le monde. Nous devons s'attaquer à tout le monde même quand il ne faut pas. Je vais venir étape par étape. Excusez-moi si je n'arrive pas à structurer, vous êtes habitué, mais à tout moment, je reviendrai.
Je prends tout simplement l'exemple, un enseignant ou un médecin. Tu travailles dans un hôpital. Les malades qui arrivent dans cet hôpital-là, ils sont des malades de PDG, ils sont les malades de l'opposition, ils sont des malades de Ninini, ils sont des malades des gens qui ne font pas de la politique. C'est les malades de tous bords de notre pays. Toi, en tant que médecin, tu vas dire, cher Gabonais, sachant que tu es PDGiste ou bien tu es opposant, je ne peux pas te soigner. Bon, on va oublier les gens qui meurent à cause de manque de médicaments ou au manque d'autres. Mais si on était dans un état de droit, si on était dans un état de droit, tu es médecin, tu vas refuser, dites-moi, cher Gabonais, tu vas refuser de soigner quelqu'un parce qu'il est PDGiste? Tu vas refuser de soigner quelqu'un, de faire ton devoir parce qu'il est opposant? De même, des enseignants gabonais, dans leur salle de classe, est-ce qu'ils enseignent que des enfants des opposants? Est-ce qu'ils enseignent seulement des enfants de familles qui sont opposantes? Ou bien ils enseignent tout simplement à tous les enfants gabonais, peu importe l'origine ethnique, raciale, sociale? Mon live, je n'ai pas mis de titre parce que tout simplement, il n'y a pas de titre. C'est un peu la dénonciation des comportements de nous, activistes ou résistants. Nous avons cru ou nous avons pris ce combat pour un champ de bataille où on doit tirer sur tout ce qui bouge. On doit tirer sur tout ce qui bouge en désordre. Alors qu'on a un ennemi bien ciblé. Aujourd'hui, si je fais ce live-là, c'est parce que depuis un moment, je n'ai pas voulu m'exprimer sur ça. Et encore là, je m'excuse si je parle de lui. Monsieur Crevin Dingo, qu'il m'excuse parce que je n'ai pas demandé sa permission. Après, on va aussi me porter plainte que j'ai prononcé le nom de quelqu'un. Mais il n'y a pas de souci, j'assume, je ferai la prison pour dire toujours ce que ma tête pense. Monsieur Crevin Dingo a été l'avocat de beaucoup de résistants, des activistes qui ont été arrêtés au Gabon. Cet homme-là, et pourtant beaucoup d'entre nous ne le connaissaient pas, mais cet homme-là, pendant qu'il soutenait les résistants qui étaient en prison, il était l'héros de la résistance. Tout le monde l'acclamait. Dingo, c'est l'avocat de la résistance. Il a toujours soutenu, il a toujours fait sortir beaucoup de compatriotes gabonais, cher peuple gabonais ou bien cher collègue, compatriote, ex-collègue, je ne sais même plus comment vous qualifier, tellement moi, mon esprit est fatigué avec vous. Quand Dingo défend Zingu, c'est comme ça qu'on prononce son nom, qu'il défende un homme de l'opposition, un AGF, qui défend AGF, qui défend Farjon ou Marjon, ou je ne sais plus quoi là. Est-ce qu'on va oublier tout ce que cet homme-là a fait pour les activistes gabonais pour qu'aujourd'hui on veuille lancer cet avocat, les cailloux, qu'on l'insulte dans les réseaux, oh quoi, parce qu'il a décidé de défendre un client qui n'est pas de notre bord politique, enfin, qui n'est pas de votre bord politique. Parce que comme beaucoup d'entre vous, faites la politique, parce que si vous étiez vraiment les militants, vous n'aurez pas ce genre d'esprit que vous avez là. Mais comme vous êtes tous dans la politique, tous les résistants, vous êtes tous les politiciens, donc vous réfléchissez comme des politiciens. À la guerre comme à la guerre, soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Mais si vous êtes les militantes et les militants de droits de l'homme qui luttent avant tout pour que l'État gabonais soit un État de droit, vous saurez que Ndingou ne fait que son droit, ne fait que son devoir comme un enseignant, comme un docteur ou comme n'importe qui a prêté serment pour défendre, pour le métier pour lequel il travaille, qu'il exerce. Voici le cas de notre petit frère Crépin Dieke. Je vais te donner le numéro. Je ne vais pas parler trop de son cas parce que parfois, quand on parle beaucoup, on peut gaspiller une situation qui est déjà bien entamée. Mais je vais parler de ce que j'ai vu. Le journal Mediatam, il y a 2 jours, ou il y a un jour, moi j'ai vu seulement ça, il y a un jour hier, annonce que Crépin jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'avocat. L'enfant qui a été arrêté, saisi depuis 2 mois, même si, même un avocat commis d'office, cet enfant n'a pas. Nous ici, lorsque nous avons les personnes qui arrivent à nous suivre, ou bien comme on avait Ndingo, si Ndingo, lui, il est à Libreville, si
si beaucoup d'entre vous ne l'auraient pas aussi insulté, auraient peut-être envoyé un collègue qui est là-bas, que non, j'ai un des résistants gabonais, un de nos enfants. Est-ce que tu peux regarder ce dossier de près? À 3 mois près, 3 mois ou 4 mois, donnez les dates, ceux qui ont le compteur des arrestations. Crépin n'a pas toujours un avocat. Mais beaucoup d'entre vous, vous avez insulté un avocat qui a toujours pris la cause des Gabonais ici à cœur. Donc, Maître Nzingou, que je ne connais pas, hein. Je ne le connais pas, je n'ai jamais même adressé une parole, je ne sais même pas si la Facebook, je ne le connais pas. Mais je suis le genre de personne, lorsque quelqu'un a fait du bien un jour, je n'oublie pas ce bien parce qu'il va aller défendre mon ennemi. C'est comme ça, vous êtes ici. C'est à cause de nos comportements qui font en sorte que, même si les gens veulent nous aider, on ne va plus nous aider, personne ne pourra plus nous aider, on se retrouve maintenant bloqué à cause de nos grandes gueules. Parce qu'on veut montrer que nous, on est ici à l'étranger. Voyez l'exemple du petit. On est ici à l'étranger avec nos petites filles, avec nos têtes bizarres remplies de paroles à la noix. Je ne sais pas qui nous remplissent les paroles bizarres de haine. Nous sommes tellement remplis de haine. On fait la résistance. On dirait que on est des politiciens. On se met à insulter des avocats. Oh, Nzingou, tu m'as déçu. Oh. C'est ton mari qui va te décevoir comment? C'est ton père, il va te décevoir comment? Il a prêté ses mains. Aujourd'hui, tu travailles, oui, c'est mon numéro. Appelle sur... attends, je t'appelle. Tu sais que je n'ai pas un numéro de... Si je vais donner là, ce serait mon numéro personnel. Et puis voilà, comme moi aussi, je ne réponds jamais aux appels là. Quand je vais encore recevoir 10 000 appels, et puis je ne vais pas répondre aux gens. On va encore dire, après on va encore me traiter, comme on me traite tout à l'heure, que je suis farfelu. Alors que moi, je n'aime pas répondre aux messages. Donc, attends, je vais te donner... Je vais ajouter le numéro ici, là, comme ça, c'est bon. Le problème, c'est que ça va être le téléphone, là. Je te fais sur Messenger, une bonne fois. Appelle sur Messenger. Papa, attends, hein. J'essaie de faire ça. Je n'ai pas travaillé ça en même temps. Donc, nous, dans la résistance, avec nos bouches, là, nous, on connaît à chaque fois seulement, quand on voit seulement ce qui est dehors. On ne sait pas que parfois, nos décisions... ou bien nos positions peuvent porter préjudice à ceux qui sont vraiment sur le terrain. Nous, avec nos grandes bouches là, avec nos bouches de gens qui, comment on appelle, les gens qui ont reçu toutes les valeurs du monde sont dans la résistance. Les gens qui ont reçu toutes les valeurs du monde sont dans la résistance. Ceux qui ne sont pas dans la résistance, là, ils n'ont pas de valeurs. Il faudrait arrêter nos comportements destructeurs là. Il faudrait arrêter cela. Je téléchargé Messenger, pardon. En fait, moi je désinstalle les applications le soir pour ne pas être dérangé. Excusez-moi, c'est pas cool. Mais il y a des cancres là ici parfois quand ils te voient souriante là. Tout le monde veut t'épouser seulement sur Messenger, mais jamais dans la réalité. Donc ce qui fait que le soir... je désactive, donc là, je suis en train de installer de nouveau, c'est mon corvée, hein. Je installe, désinstalle. Donc, excuse-moi, grand. Donc, là, je suis en train d'installer l'application pour que tu puisses appeler. Donc, j'étais en train de parler de ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec un gamin, notre cher frère, la cagnotte, elle est présente. J'ai vu beaucoup de mes compatriotes demander, oh, la cagnotte. Non, la cagnotte, elle est présente. J'ai encore les 500 euros. Oui, attends, là, ça passe sur le téléphone. J'ai encore les 500 euros. Mais vous voulez que je donne les 500 euros à qui? Envoyez aux membres de la famille, après on va encore annoncer comme on a annoncé. Lorsque je fais cette cagnotte, c'est parce que c'est tout simplement, c'est les mêmes personnes qui nous ont dit que non, l'enfant a déjà l'avocat. Mais on se rend compte que non, il n'y avait pas l'avocat. C'est suite à que l'enfant a l'avocat que nous, on lance les appels, en fait, les informations qui m'avaient été reportées, c'est qu'il a l'avocat et que l'avocat demande tant. Donc, vous imaginez que si moi aussi je suis les gens qui marchaient, je prenais les 500 euros là, j'envoie ça. Aujourd'hui, on apprend que l'enfant n'a pas l'avocat. Qui aurait bénéficié de 500 euros là alors? Donc, demandez, vous avez raison de demander votre cagnotte, elle est présente. Elle est présente. La différence, c'est que l'argent en francs, parce que je ne me balais pas ça avec, c'est comme ça en euros. Je ne vais pas amener l'euro dans un pays anglophone ici, et puis je vais convertir ça, et puis je vais utiliser ça, et puis je vais encore rembourser. Donc, du coup, j'ai dû laisser ça là-bas en France, dans un porte-monnaie, dans mon coffre là-bas, dans ma commode. Donc, les 500 euros de Crépin sont bien avec moi, et c'est en France.
Mais je ne peux pas donner ça à la famille parce que ce n'est pas à la famille que je donne l'argent, c'est à l'avocat. Cet argent-là, vous et moi, vous avez cotisé ça pour payer l'avocat de Crépin. Vous n'avez pas cotisé ça pour qu'on donne aux membres de la famille, mais payer directement l'avocat. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai fait ce petit live-là pour au moins une fois dire à certains d'entre nous qui ont commencé à insulter, Ange Diego. Attends. Oh, c'est bon. Je ne veux plus désinstaller ça. Alors, je vais seulement mettre sur silencieux. Je ne veux plus désinstaller ça. A insulté Ange Diego. Il y a un avocat que, oh, il a dessus. Comment pouvez-vous concevoir que un avocat de la résistance, de l'opposition, puisse défendre le camp adverse? Il vous a dit que quand il a prêté serment, quand ses parents l'ont envoyé à l'école, ils vous ont dit que, oh, Ange, où tu vas à l'école, là, tu vas seulement défendre la résistance gabonaise. Tu es avocat, seulement avocat de la résistance gabonaise. Ou bien, nous qui avons le business là, donc j'ai mon business, j'ai des clients qui arrivent. J'ai dit aux clients que, non, non, non. Toi, tu es Bongo, tu es PDGiste, tu ne payes pas mes affaires. Toi, tu es PDGiste, tu ne rentres pas dans ma boutique. Ou bien Natacha qui a son restaurant va dire que non, 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 les PDGistes, vous ne rentrez pas dans mon restaurant. Mais vous vous entendez parler parfois? Vous allez parler de quel honneur? Est-ce que les valeurs humaines ont quoi à voir avec un business? Les valeurs humaines ont quoi à voir avec un État? On ne va pas confondre la résistance avec des valeurs personnelles. On ne va pas confondre la politique avec des valeurs personnelles. Chacun d'entre vous connaît ce que vous appelez les valeurs. C'est ça pourquoi même le mot là me tue. Parce que les gens, j'ai mes valeurs humaines. Quelles sont vos valeurs? Vos valeurs, c'est la haine. C'est de mettre la haine partout. C'est de distribuer la colère. C'est de voir l'ennemi partout. Vous oubliez même que à la personne de Ange Dingou, c'est beaucoup de résistants ont vu la liberté. À la personne de Ange Diego, beaucoup de résistants, beaucoup de nos compatriotes qui ont été emprisonnés ici. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait ici dans la résistance? Vous l'avez mis en partie, vous avez commencé à l'insulter ici, là. Je n'ai pas voulu parler parce que moi, je ne connais pas. Je ne le connais pas. Mais je sais qu'il était là. Qu'il est là. Qu'il défend. Oui, c'est à toi la parole. Qu'il défend une personne aujourd'hui, ça va faire quoi dans vos vies? Voici maintenant Crépin qui est arrêté. Vous qui avez tellement de valeurs, vous savez quel est avocat vous devez avoir. Vous qui avez tellement de valeurs, on apprend que 3 mois, 4 mois plus tard, notre compatriote n'a pas d'avocat, mais vous avez des valeurs pour dire qu'un avocat qui a toujours été là pour les résistants est un mauvais avocat. Trouvez-en alors un avocat de l'opposition qui aime défendre Crépin. Vous qui avez des valeurs dans la résistance là, vous que Ange a dessus. Putain, vous faites chier. Oui, je te fais. Tu es en ligne. Oui, écoute, Claire Newman, bonjour d'abord. Merci de me permettre d'intervenir dans ton live. Bon, moi, tu sais, si j'interviens là vraiment, parce que c'est un dossier vraiment école. Moi, je connais personnellement Ange Kevin Zigo. Okay. Je le connais personnellement, c'est quelqu'un très brillant et qui a beaucoup fait pour les résistants et qui a beaucoup fait pour les citoyens, le peuple gabonais, c'est-à-dire tout gabonais, quel que soit le bord. Il a prêté serment de défendre la justice, défendre le droit. Il n'a pas prêté serment pour défendre seulement soit les opposants, soit les activistes, soit les pédégistes. Et moi, si je tiens à terminer là, à intervenir, c'est pour dire vraiment que c'est décevant de voir des gens soutenir à distance des jeunes Gabonais et de leur dire d'aller dans la rue. Et aujourd'hui, cet enfant se retrouve seul. Il se retrouve seul 3 mois. 3 mois, les gens sont incapables de trouver un avocat. Pourquoi? Parce que seulement ces mêmes avocats qui aident les gens là-bas à Libreville, c'est les gens qu'on insulte, c'est les gens qu'on enregistre. C'est les gens qu'on enregistre des conversations, on enregistre des conversations avec les avocats, c'est les gens qu'on vient en insulte, mais c'est vraiment désolant, quoi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, dire que pour avoir un avocat, c'est un problème maintenant, à cause de la bouche de certaines personnes qui sont les partisans de la haine. Et je tiens à dire ceci, qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Si moi, par exemple, moi, ma famille, on connaît ma famille, nous, on a des écoles. Donc moi, j'ai les écoles Saint-Christophe.
un pédigiste va venir avec son enfant, je vais dire non, vous n'inscrivez pas votre enfant. Vous croyez que ça c'est sérieux? Vous croyez que ça a un sens? Ou si je suis un médecin, un pédigiste va venir, ou un opposant va venir, je vais dire non, toi je ne te soigne pas parce que tu es un opposant, toi je ne te soigne pas parce que tu es un pédigiste. Il faut arrêter. Il faut que les gens arrêtent. Si des personnes ont leur considération personnelle, qu'ils gardent leur considération personnelle. Mais ne pas penser que parce que toi tu penses comme ça, les autres doivent forcément penser comme ça. Ou mélanger les choses. Ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Ceux qui ne vont pas mélanger, on mélange. Non, c'est désolant, Exactement. quoi. Et après, on vient insulter quelqu'un comme ange. On vient l'insulter, là, on vient le mettre en pâture. Et vous pensez que quand vous l'insultez, les autres avocats ne voient pas ça? C'est comme quand tu rentres dans un poulailler, tu tords le cou du coq, mais la poule voit, la pintade voit, le canard regarde aussi, il dit, ah bon? Donc c'est moi aussi qu'après qu'on va tourner le cou, j'enlève le corps. Il faut arrêter avec la haine. Il faut arrêter avec la diffusion de la haine. Et surtout quand vous êtes à distance. Prenez l'avion, allez-y à Libreville si vous voulez parler. Et puis après, vous allez revenir et se moquer de moi quand je vous dis que celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu ne courent pas de la même façon. C'est ça que j'avais à dire, quoi. Vraiment, Tant tu fais un l'histoire de Lyon excellent là. travail. Tu fais vraiment un excellent travail, Claire Newman, et je t'encourage dans ce que tu fais. Et c'est vraiment désolant, quoi. 3 mois, ce petit-là est là-bas en prison. Et aujourd'hui, il n'a plus personne. Il n'y a plus personne pour lui. Mais il y avait Moi, je ne beaucoup, fais là, qui étaient rien. là à Je lui ne dire, fais oui, rien. Je ne fais que faire ce ce que que j'ai tu fait fais, c'est depuis. bien. Ce que tu fais, c'est bien, petit. Vas-y, va afficher. Va faire ça, va faire ça. Et quand on prend le petit là-bas, voilà, aujourd'hui, il n'a pas d'avocat. Et après, les avocats qui défendaient ont insulté cet avocat-là. Vous pensez que les autres avocats vont faire quoi? Mais ils vont faire dans la solidarité. Et il ne faut pas mélanger les choses. Un avocat, c'est un avocat pour les citoyens gabonais. Ce n'est pas un avocat pour l'opposition ou la majorité. Même On n'est pas les né criminels ont agiriste, les avocats. on n'est pas né pédigiste, on n'est pas né opposant. Nous sommes Gabonais, nous sommes Gabonais. L'école publique, c'est pour tous les Gabonais. Les avocats, c'est pour tous les Gabonais. Les business, c'est pour tous les Gabonais. Quand tu vas acheter quelque chose quelque part, tu achètes. Que ce soit pour un opposant, ou c'est pour soi, pour un activiste, ou que ce soit pour un truc. Ça fatigue tout ça, cette haine inutile. On mélange tout. Moi, c'est ce que j'avais à dire, quoi. C'était mon coup de gueule. Et voilà, on va ceux qui peuvent faire ce qu'ils peuvent faire pour Crépin, donc à le faire maintenant. Il a vraiment besoin de soutien. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'un avocat. Ok, merci. Merci à toi pour ton coup de gueule, hein, ton coup de colère. Voilà, mais il y a une place que je voulais rectifier un peu, c'est personne n'envoie Crépin, personne n'envoie quelqu'un. C'est vraiment, on fait quelque chose, on est conscient des risques. Ah, Non, moi je ne veux pas tergiverser, il ne faut pas dire ça. non, Je ne personne suis pas n'envoie. Si comme les gens ça. qui l'ont Il y a envoyé, des gens qui peut-être. envoient. Il y a des gens qui envoient. Il faut arrêter ça. Na Voilà, Akaye. les lives sont là. Les lives sont là. Il y a des gens qui disent aux autres, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Et ils sont à distance, il faut arrêter. La vérité, c'est ça. Et moi, je dis la vérité. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. C'est ça la Aïe. vérité, il faut arrêter. Vous n'êtes pas sur Libreville, il ne faut pas envoyer les pauvres enfants dans la rue. Vous voulez faire quelque chose, allez à Libreville et faites avec eux. Il faut arrêter ça. Moi, je vous dis la vérité. Celui qui n'est pas content, il me cherche et il vient me bastonner. Franchement. Moi, je viens te chercher et te bastonner, non? Voilà, faut venir me chercher. Prenez l'avion, venez me chercher. Ok, Allez merci, vite. merci pour merci pour la participation. Voilà. Donc, c'était Danger qu'on appelle Christian. Et son nom est compliqué. Oh. Son nom est pour moi est compliqué à prononcer. Christian Guandogo. Bref, il veut mieux comprendre. C'est Danger. Donc, il a donné son point de vue concernant Crépin et concernant l'avocat que j'ai tenté de parler tout à l'heure, c'est-à-dire Ange Dingo. Nous devons tout simplement faire la part de choses, chers collègues. J'ai envie de nous appeler comme ça. Chacun fait son métier à son niveau. Chacun fait son combat à son niveau. La manière dont nous avons pris cette résistance a tiré sur tout le monde, n'importe comment, et en désordre, laisse vraiment des séquelles sur certaines personnes. Ça laisse des séquelles. Beaucoup d'entre vous ont oublié que depuis 3 ans, beaucoup des activistes du Gabon au Gabon ont été arrêtés.
Il y avait combien d'avocats qui ont soutenu ces activistes? Toujours dans le parler. Faisons la part des choses, oh. Parce que nos bouches là, à cause de nos bouches là, quand on se met à parler, parce qu'on a des milliers, des centaines de personnes qui nous regardent là, on est là, on se sent belle, on se sent beau, on parle. Mais on oublie qu'on est dans un pays qu'on appelle le Gabon. On oublie qu'on vient du Gabon. La dictature, c'est même à la petite administration. Si je suis secrétaire ici, que tu as envie d'avoir le patron, si je sais que tu m'as insulté, que je dis que tu vas pas le voir, tu vas pas le voir. On oublie ça. C'est pour ça que moi, je passe tout mon temps à insulter Ali Bongo du Pomotran. Parce que lui, c'est le seul connard qui a affaire avec moi. Le reste, la plupart du temps, vous méritez que je vous insulte parce que c'est tout simplement une défense qu'on appelle ça, légitime défense. Mais moi, je ne prendrai pas mon temps comme vous faites là. Comme quand celui-là qui a quitté Ping est parti. Comment il s'appelle? Ma petite, donne-moi son nom. Celui qui vient de partir, qui a quitté Ping là. Celui qui vient de partir là. Quand il est parti, vous avez fait les directs pour l'insulter. Il vous a dessus. Il est machin. Il n'a pas le droit de partir. Personne n'a le droit de partir. Personne. Tu restes là. Parce que si tu pars là, on t'attaque, on t'insulte. C'est comme si vous avez signé des contrats avec les gens. C'est comme si la vie des autres, et votre vie est conditionnée à ce que les autres font. Comment il s'appelle encore? Ah, maman, donnez-moi le nom de celui qui a demandé que Ping, il part Ping, il quitte Ping parce qu'il n'a plus d'argent. Comment il s'appelle, Yaï? Moi aussi, j'ai un problème avec les noms, hein? C'est pas grave. Pareil, on a insulté pour rien. Maintenant que l'avocat que vous avez trimballé dehors, bon, c'est pas lui qui va aller défendre Crépin là-bas, mais imaginons, il aurait eu à l'époque, quand il était encore, il aurait eu, avec tous les injures qu'on l'a lancées là, l'enfant là va dire, bon, quand vous m'avez insulté que je suis un traître, j'aurais pu prendre un téléphone et contacter mes collègues de la province, Massavala. J'aurais pu prendre un téléphone et contacter mes collègues de la province pour défendre le petit. Mais comme vous avez montré dans la résistance que c'est vous qui connaissez trop, c'est vous qui avez trop de valeur au Gabon, quoi. C'est vous qui avez trop de valeurs. Comment je peux aller défendre Alianga? Comme vous avez tellement de valeurs là, je vous laisse avec vos valeurs. Défendez votre frère. Trouvez. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que j'ai posé la question? Qui doit normalement trouver l'avocat? Qui leur trouve souvent les avocats à tous les prisonniers politiques du Gabon? Qui leur donne souvent les avocats? Comment ça se passait? Pourquoi est-ce que les autres, on les arrête pour ils ont l'avocat? Pourquoi Crépin n'a pas l'avocat jusqu'à aujourd'hui? Qui a donné Hervé Mombo, l'avocat? Qui a donné Mamboundou, là, le petit qu'on avait arrêté là, l'avocat? Qui avait donné Pasto, l'avocat? Qui avait donné l'autre encore qui est sorti là, l'avocat? Qui a même donné Danger? Qui l'avait donné l'avocat? Qui leur donne ces avocats? C'est nous. C'est nous ici à l'étranger, avec nos bouches bizarres. Je nous insulte parce qu'on dépasse. Hein? Je nous parle comme ça parce qu'on abuse. On confond tout. On confond vraiment tout. C'est qui leur donne les avocats? Chacun doit faire son truc à son niveau. On fait notre résistance. Notre résistance n'est pas faite pour les gens à gauche, à droite. Les gens à gauche, à droite. Comme dit Jonas Moulinda, que quand tu cours après un éléphant, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas pour une gazelle. Ne nous arrêtons pas pour une gazelle. Toutes ces personnes arrêtées là, c'est vous qui les avez trouvées les avocats. C'est vous qui avez trouvé l'avocat à Betanzibi. C'est vous qui avez trouvé l'avocat à Machin, à Landry, ou bien à Barak. Ils ont leurs avocats, sauf que leur cas est plus contentieusement difficile à comprendre. Mais ça, pourquoi on les maintient là-bas? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les avocats qui ne sont pas dehors. Mais comment à 4 mois, 3 mois, je ne sais même plus exactement combien de temps l'enfant est là-bas, on peut encore dire aujourd'hui que l'enfant là n'a même pas un avocat. Ça dit même commis d'office ou pas commis d'office. Mais nous, qu'est-ce qu'on trouve? Ça dit la personne peut-être même, je ne dis pas qu'il l'aurait fait. Pardon, ne venez pas prendre mes paroles et aller faire vos conneries à la noix. Je n'ai même plus vos temps dedans. Ça dit même peut-être que la personne ange aurait peut-être dit, bon, comme c'est... On va dire que c'est l'avocat de nous-mêmes là.
Il aurait peut-être pu appeler ou peut-être se déplacer même, aller à l'embarné voir. Non, vous ici, comme Farjon, c'est l'ennemi numéro un du Gabon. En fait, vous là, à un moment donné, Farjon a pris la tête de Bongo. Bongo est devenu ange, Farjon est devenu éléphant. Donc, du coup, s'il défend Farjon, là, c'est fini, il a défendu Bongo. C'est comme si il défendait Bongo, quoi. Moi, j'aurais même pu me dire que bon, s'il défendait Bongo, là, j'ai dit que ange, là, c'est bon, là, tu as tué. Parce que même chaque accusé a droit à un avocat. Donc, mes chers compatriotes, comme d'habitude, j'aime faire les laves là quand l'heure d'aller chercher l'enfant s'approche là, c'est même pas bien. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, comme j'ai pas le temps, je t'envie. Donc, je voulais vraiment nous exhorter sur ça. Prenez vraiment vos valeurs que vous défendez là, gardez-les pour vous. Gardez vraiment les valeurs que vous défendez là, vous les gardez pour vous. Une personne comme moi, je sais exactement qui je suis. Je n'ai pas besoin de venir faire le tapage, insulter les gens qui ne méritent pas mes injures pour prouver que j'ai des valeurs. Il y a des personnes que je respecte. Il y a les valeurs que vous, parfois quand vous parlez, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas le match vu que vous venez faire sur Internet, si ce n'est pas le parler pour parler, si ce n'est pas pour se présenter pour avoir les likes, pour avoir des vues à la con, si c'est pour rien du tout, en fait, quand je vous regarde, la plupart du temps, vous n'avez aucune valeur, vous n'avez rien, vous n'avez que... Vous n'avez que vos petits cerveaux que Dieu vous a donnés. Vous allez m'excuser. Parce que vous dérangez un peu trop. Vous dérangez. On s'est dérobé de la voix qu'on luttait. On se tire sur tout. Messire la vie là-bas. Nous tous là-bas, on est sur Messire. Machin, on est sur là-bas. Oh, parfait. Oh, coucou. Oh, l'autre là-bas. On est des timbrés. En fait, c'est à cause de la Libongo, de la Résistance. J'ai compris que le Gabonais n'avait pas un but dans la vie. Son but, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Son but, c'est de faire le bruit partout. Notre but, là, c'est d'être les emmerdeurs et les emmerdeuses. Nous sommes les emmerdeurs et les emmerdeuses du premier temps. C'est ça notre but. Et puis, tu vas te voir, quand tu vas t'élever, tu vas voir les gens vont venir faire les saints nous touchent. Ou les saintes nous touchent. Tu m'as dessus. Tu m'as machin. Vous ne partez pas dans votre travail. Prenons l'exemple, tu vas travailler aujourd'hui, tu es réceptionniste. Tu es réceptionniste. Tu reçois un coup de fil. Quelqu'un te réserve une place. Oui, bonjour, je réserve l'hôtel, machin, 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 machin. Tu fais la réservation. Tu ne sais pas que la personne, le client que tu viens de confirmer la réservation, c'est un PDGiste. Tu vas lui dire quoi? Oh, comme tu es PDGiste, il paye l'hôtel 5 000 euros la nuit. Tu vas dire au patron que non, c'était un client de 5 000 euros la nuit. Vous savez, c'est un PDGiste, je ne peux pas l'enregistrer. C'est toi qu'on va virer. C'est toi qu'on va virer. Voici comment vous êtes. On est ici là dehors, là, nous là. Avec nos têtes comme les cornes là. On ne sait même pas comment Bongo a pu faire pour tuer les Gabonais pour que. On vient se retrouver ici avec les gens bizarres comme vous. Vous tirez sur tout. Ange, tu m'as déçu. Ange, tu ne peux pas se tenir. Tu ne peux pas défendre Alianga. Quand sa mère l'a envoyé à l'école pour être avocat, c'était pour être avocat de tes principes ou bien de tes valeurs. Quand il a prêté serment, c'était le serment des valeurs de résistants ou des valeurs de l'opposition. Lui-même, il n'a pas ses valeurs à lui. Il n'a pas son éthique. Même aux États-Unis, le plus grand criminel a droit à un avocat. Pour nous, là, voilà. Trouver l'avocat maintenant à l'enfant. Il faut trouver là parce que j'ai la cagnotte, il faut que je paye l'avocat. Donc, trouver l'avocat à l'enfant, les pauvres Gabonais qui ont donné l'argent, là, doivent savoir que l'argent qu'on a cotisé à Claire, là, voici. Pas d'avocat, on ne peut pas envoyer l'argent. Quand le grand bouche, je valeur, il faut respecter, valeur, valeur, valeur de quoi? Vous avez quel genre de valeur ici? Vous avez quel genre de valeur que les autres n'ont pas? Vous défendez quoi? Vous voulez dire que tous les enseignants gabonais sont de l'opposition? Tous les médecins sont des opposants? Hein? Peuple gabonais, vous énervez parfois, vous mes compatriotes là. Je jure que si j'étais Rambo de Koma Koma que j'aimais les bagarres, il y a longtemps, beaucoup d'entre vous, je venais, je vous donnais une gifle, quoi, 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 tu restes une semaine sans parler. Vous aimez les problèmes. On aime les problèmes pour rien. On crée les problèmes et lorsque la situation devient difficile, après on se plaint. On crée les situations donc on est incapable de gérer. On crée les frustrations auprès des gens. C'est ça. On crée des frustrations. On va insulter quelqu'un, oh, un sale avocat comme ça là, il va défendre un ennemi, il va défendre. Toi qui es ma chef, va faire le droit, va le défendre. Vous, ici là, beaucoup d'entre vous êtes venus avec les visas clandestins, les banques clandestines. Vous travaillez dans les Bamardo, les Babalo Claire. Mais c'est vous qui avez les grandes bouches qu'on
des gens qui servent le marché. Pourquoi on est comme ça? Vous êtes là, les gardiens, les wesh, ou je ne sais pas comment les appeler, c'est là les membres de sécurité, ou bien des femmes de ménage. On a tous les boulots bizarres, mais sauf des avocats. Mais c'est nous qui connaissons les éthiques des métiers des autres. C'est nous ici, là, on travaille même les métiers qu'on ne demande pas d'aller faire l'école. Mais c'est nous qui connaissons le droit, qui connaissons les études. On est experts en tout, en tout, en tout. Nous, là, on est experts en tout. Continuez à insulter les gens et puis on aura les pauvres enfants bloqués là-bas. Après, nous, là, comme bah, nous-mêmes qui aiment les insulter, je vais encore venir les insulter ici en disant que non, comment on appelle le Gabonais, vous êtes des moutons. Après, je vais les insulter parce qu'ils ne partent pas dehors. Mais à un moment donné, je les comprends même si je ne leur donne pas raison. Hein? Parce que aussi, quand on va les arrêter là. Mais en même temps, vous êtes aussi des moutons parce que vous ne partez pas dehors. Ça m'énerve même. Moi, je veux tout en même temps. Je veux qu'ils partent, je veux aussi qu'ils soient en sécurité. Parce que quand il y a des personnes, je veux qu'on y délivre, mais je veux aussi qu'ils soient en sécurité. À ce moment-là, je veux quoi finalement? Mais quand tu vois ce genre de cas-là, tu es obligé de pouvoir protéger les pauvres enfants. Oh non, Dieu! À ce moment-là, je veux quoi? Mais je veux qu'on se lève, non? On se soulève pour notre pays. Ça, c'est la vérité. Je veux vraiment qu'on se soulève, que le Gabon se soulève, qu'on soit tous dehors, je ne sais pas. qu'on rend le pays ingouvernable. Je veux vraiment ça. Mais à un moment donné, quand tu vois que les enfants comme le Bacrépon les arrêtent comme ça, tu as l'esprit de protectrice d'une mère qui dit « Oh, pardon, les pauvres enfants vont encore les arrêter, là, on va encore venir faire les cotisations. » Donc, tout ça, c'est pour nous. Donc, mon esprit, là, moi, je ne sais pas, je suis bipolaire. Oh, vois mon esprit de bipolaire, là aussi. Hein? Donc, voilà un peu, hein. Chers compatriotes de la résistance, je suis aussi un peu navré pour vous. Andingou est un avocat d'État. C'est un avocat gabonais, comme des enseignants gabonais, comme des médecins gabonais, il exerce son métier. Vous n'avez aucun droit de lui dire ce qu'il doit faire. Il n'a pas de compte à vous rendre, qui sont ses clients, qui il doit défendre ou pas. Il n'a pas de compte à vous rendre. C'est tout simplement à cause de nos comportements mentalement, cinglément. Il faut que je trouve mon dictionnaire pour nous qualifier. Que nous sèmons la haine partout. Nous frustrons les gens même qui peuvent nous aider. Ange aurait été même capable de contacter quelqu'un à l'embarrer pour dire que j'ai un cas de résistance, c'est un membre de mon équipe. Est-ce que tu peux le défendre? Mais vu les injures, vu comment vous l'avez mal parlé ici, à cause de ça que lui, comme cela, peut-être que dans sa tête là-bas, il dit que maintenant, faites maintenant avec vos principes, mais vous qui avez beaucoup de principes là, vous qui avez reçu le et on appelle ça comment, hein? Quand Dieu te donne le pouvoir, là. L'onction. Vous qui avez reçu l'onction divine du Gabon, les membres les plus valeureux du Gabon sont dans la résistance. Les autres, vous êtes les pétards et les pétasses. Les pétards et les pétasses. Tiens, non, moi aussi, l'ordinaire. Les autres, vous êtes les pétards et les pétasses. Donc, si tu n'es pas la récente, tu n'as pas la bonne option. Oh. Vraiment, on est grave. Hein. Je vais vous laisser. Oh. Les bordels à 30 euros à la passe. Pardon, laisse ça. Toi aussi, tu es un cas. Oh, ta grande bouche là. Tu es un cas. Bon, voilà. J'espère que s'il y a des avocats ici qui m'écoutent, s'il y a des avocats qui ont pris peut-être un temps, s'il y en a qui connaissent les avocats, et s'il y a des personnes aussi qui veulent encore toujours cotiser, moi, ma cagnotte, elle est déjà fermée, mais si vous voulez encore donner, il n'y a pas de souci, parce qu'on ne sait pas si on trouve un avocat qui viendra nous demander encore les 2 millions ou 2 millions, on ne sait jamais. Donc, vraiment, s'il vous plaît, ce n'est pas pour venir faire le beurre, ce n'est pas dans mes intentions, hein, parce que de toute façon, je passe tout mon temps à exprimer ici, mais comme je lis aussi vos posts, il y a la dernière fois quand j'ai fait le live, il y a des compatriotes qui à Paris, ils allaient faire un post que j'ai fait le buzz sur le cas des crépins. Mais je n'ai pas voulu répondre, c'est pour ça que c'est passé dans le silence, mais j'ai fait capture d'écran. Parce que je n'oublie pas quand quelqu'un me lance les pamphlets. Vous savez, je vous ai dit que je ne veux plus trop m'attarder à vous parce que vous êtes pour moi les gazelles. Vous êtes mes gazelles, donc plus je m'attardais à vous répondre, je perdais mon temps pour rien. Et comme moi, je poursuis l'éléphant, je ne peux pas m'arrêter comme les petites gazelles, devant les petites gazelles comme vous. Il y a un compatriote, quand j'ai fait
La camion de crépin, il allait faire le pot sur lui comme quoi que je suis dans le buzz, patati patata, j'ai fait capture d'écran, j'ai gardé. Parce que dans ce cas-là, il faut qu'on remonte depuis 2016, que tout ce que j'ai fait avant de vouloir mal parler à Ping, à ce moment-là, je n'étais pas dans le buzz, puisqu'à l'époque encore, j'étais encore Ping bassé bassé. Mais comme je dis que 2019, Ping m'énerve, je suis maintenant dans le buzz. Mais j'ai gardé ça. Donc, je zappe, mais je ne vous oublie pas, je vous ai dans ma tête ici, là. Je demande ici à chacun d'entre vous. Voilà, après on va encore dire oh. À chacun d'entre vous, s'il y a les avocats, s'il y a les trucs, contactez qui de droit, essayez de voir les parents de Crépin, si on peut lui trouver l'avocat, essayez de contacter sa mère, essayez de machin, pardon, essayez de voir si on peut trouver cet enfant un avocat bénévole aussi ou bien à moins cher, à Eco Plus. Un avocat Eco Plus comme Kevin Dingou, il était. Voilà, on va dire qu'il était Eco Plus parce qu'il ne demandait pas les sommes fabuleusement élevées. Il demandait vraiment ce qu'on pouvait donner. Donc, voilà. S'il te plaît, parle de la jeune Gabonaise. Oui, j'ai un live pour elle. Je vais parler de ça après. Je ne vais pas mélanger. J'avais prévu, c'est pour ça que j'ai partagé sa vidéo. J'avais prévu de faire un live pour elle parce que je suis déjà allée au renseignement. J'ai déjà obtenu quelques renseignements pour ça. Donc, ne t'en fais pas. Tu me connais déjà un peu. Donc, je vais faire ça. Mais comme pour Crépin, c'était un peu aussi dans l'actualité, je voulais déjà un peu finir sur ça. Bon. Maintenant, faites comme vous voulez, hein. Faites comme vous voulez. Vous êtes Gabonais ou Gabonaise comme moi. Vous savez ce que vous défendez. Vous savez qui vous poursuivez. Vous savez ce que vous avez envie d'obtenir dans vos réactions. Moi, si je t'insulte aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de t'insulter et je n'attends rien dans mes injures. Exemple, là, si j'ai envie d'insulter Danger, s'il m'a énervé sous le coup, je vais l'insulter Danger, imbécile. C'est-à-dire, mon imbécile n'a rien à voir que je veux le nuire, ou je le veux le porter préjudice à long terme, ou bien qu'il devienne mon ennemi à long terme. Mon imbécile s'arrête l'instant présent, là, là. Une fois, je le dis, l'imbécile, ça s'arrête là, je passe à autre chose. Mais vous êtes comme des sangsues. Vous accrochez sur la personne, vous sucez, tant que la personne n'est pas morte, vous n'êtes pas heureux. Tant que la personne n'est pas morte, vous n'êtes pas. Ou bien quand je parle de la mort, là, ce n'est pas la mort, étale, machin, mais vous n'êtes pas heureux parce que vous forcez, vous entrez dans la vie privée des gens. Et c'est très malsain. Voilà, changeons. Faire de la politique, ce n'est pas faire la guerre. Si nos vieux, là, ont amené une stratégie politique qui était la guerre. Nous, la nouvelle génération consciente, intelligentement intelligente. Oui, excusez-moi, je suis intelligente, même si je ne parle pas bien français. J'ai encore la fierté de vous le dire, je suis intelligente. Ça, personne ne peut me l'enlever. Voilà. Ça, c'est la vérité. J'ai encore la fierté, l'honneur de vous le dire. Je suis intelligente, belle femme intelligente, et ça, personne ne peut me l'enlever. Et c'est la vérité. Donc, si la jeunesse intelligente que nous sommes, nous voulons que les choses changent aussi au Gabon. Il faut aussi qu'on commence par le changement de nos mentalités, de comment on doit raisonner. Si on continue à appliquer la même politique de vieux qui nous ont assernés jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tout simplement des ratés. Nous sommes une génération ratée. Si on continue avec la même stratégie de guerre que nos aïeux là, c'est-à-dire Bongo tue là-bas, et puis il y a une autre personne qui va les tuer là-bas, et puis ainsi de suite, nous sommes pires qu'eux. Alors que c'est nous qui devons faire le changement, c'est nous qui devons prendre maintenant le relais et dans le bon sens, ajuster et recommander et bien faire les choses. Nous, on est là à vouloir faire la même chose. Donc, parce que quelqu'un ne pense pas comme moi, que forcément c'est mon ennemi, il faut le détruire, il faut l'insulter. Je vous exige et je vous assomme que vous avez un seul ennemi, c'est les Bongo. Mettez ça dans vos têtes. Vous avez un seul ennemi, c'est les Bongo. Si, je vais prendre l'exemple, c'est Natacha. Oui, c'est Natacha Okoka, Natacha Mongue. Ma petite soeur blanche, métisse, qui est avec moi à la fin de Wolentem là. Si la petite fille métisse de Wolentem là a dit que Pink c'est un feignant, un féman, elle a le droit, parce que sa tête le permet de dire que c'est un féman. Tu n'es pas obligé de lui détester ou de lui traiter de je ne sais pas quoi ou penser qu'elle n'est pas plus gabonaise parce qu'elle a dit que Ping est féman. Si moi j'ai envie de dire que Ping m'énerve et me fait sauter en tout le truc du cul au corps, tu n'as pas le droit de me détester pour ça. Vous n'avez pas le droit de détester les gens pour leur prise de position. Vous avez le droit de détester les gens ou bien de haïr quelqu'un. Si leurs actes ont un impact dans vos vies, si leurs actes portent préjudice à la nation. Tant que ma pensée ne porte pas préjudice à la nation, et excusez-moi si j'ai dit aujourd'hui que Ping m'énerve par le discours, dites-moi en quoi est-ce que cela va aller prendre 85 milliards pour aller donner à mes parents à Bénélan.
Vous voyez? Et c'est ça votre problème. Vous ne connaissez pas le but de votre combat. Vous là, vous êtes seulement là en désordre. Vous vous combattez là en désordre. C'est pour ça que moi, je vous quitte dans votre résistance. Je vous quitte dans votre merde, dans votre fréquentation. Parce que vous avez des esprits. Vous, en fait, on est malade. Hey, à dire, on est malade. On est les malades manque mentaux. Je trouve pas de vocabulaire. Hein? Il suffit pas d'aller étudier un dictionnaire toute la journée, étudier, et venir t'asseoir et faire des phrases qui n'ont pas de sens, qui ne s'accompagnent pas bien avec le thème. Un mot à gauche, un mot à droite. Et puis venir parler le bon français, bien arrangement. Oh, il paraît que oh, l'honneur avait dit que l'honneur avait fait quoi? Oh, la valeur de ça avait fait la valeur ajoutée de quel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas, c'est pas pour ça que tu vas être la plus intelligente de Gabon ou bien le plus intelligent du Gabon si tu fais des messages avec tout le français de Molière qui n'a pas de sens. Quand même, le Gabonais ne comprend même pas le cadre de ton français. Ça n'a pas de sens. Ce que le Gabonais veut comprendre, c'est ton cœur. Si ton cœur est sain, si ton cœur est simple, je ne suis pas, peut-être, je n'aime pas plus le Gabon plus que qui, mais je n'ai pas la haine dans mon cœur. J'arrive même pas à détester quelqu'un. Mais bon, parfois tu peux m'énerver, ça s'arrête là. Ou bien je n'ai plus envie de te parler, mais la haine, je n'ai pas. Mais vous l'avez. Et c'est pour ça que j'arrive pas de me battre avec vous, que nous n'avons pas le droit de mettre la haine auprès des Gabonais. Oui, on ne peut pas s'aimer nous tous, ça c'est une chose. Il y a ne pas apprécier quelqu'un et le détester, c'est autre chose. Mais vous baladez avec la haine comme ça, on dirait, comment on appelle ça? On dirait la tontine. Tu partages, c'est pas bon. Oh, Dijos, I am parti, hein? I am parlez-vous. Nous sommes, I am bloqué au Gabon. Nous sommes vraiment bloqués et je vais terminer enfant. Normalement, on devrait tous parler dans nos langues, dans nos ethnies. Je vais terminer enfant. Je suis fière d'être femme. Je suis fière d'être gabonaise. Je suis fière d'être bapounou, bien que je ne parle pas pounou. Dans le moment, je suis une pounou. Parce que les femmes sont patriarcat. Et le mien, il est pounou. Et je suis très fière d'être du nord, du sud et de l'est. Mais gabonaise. De ma vie de tous les jours, même mon plus jeune âge, quand les gens se bagarrent, j'aimais jouer les entremetteuses là, comme on dit. C'est moi toujours, si l'autre est fâché là-bas, je vais aller courir chez l'autre. Oh, s'il te plaît, hein, viens faire la paix. J'étais toujours, tout le village va vous le dire. J'ai peut-être c'est un don que Dieu m'a donné. Quand les gens sont toujours dans les problèmes, même quand on m'a blessé au plus au fond que la personne m'a blessé, je vais me rabaisser pour aller. Même c'est moi qui a raison, mais je vais encore me rabaisser pour dire à la personne pardon ou bien, viens, on passe à autre chose. Je vais me rabaisser, dit la personne, oublie pardon. Tu fais quoi avec la colère là? Des fois, elle dit que tu es fâché. Non, ça t'a fait quoi? Maintenant, tu es fâché là. Tu as gagné l'argent. Tu es devenu riche. Ça t'a rempli les banques. Mais tu t'énerves contre quoi? Tu dis que bon, laisse tomber. Je vais seulement faire la paix. J'ai été comme ça. Mais à un moment donné, tu te retrouves maintenant parce que les gens abusent maintenant. Les gens abusaient maintenant de mon état d'esprit. Les gens abusaient maintenant de ma façon d'être. C'est-à-dire parce que j'étais comme ça, parce que j'étais passive et que à chaque fois je faisais la paix. Les gens abusaient maintenant qu'on me fait du mal. Et à chaque fois j'allais faire la paix, on me fait du mal. Jusqu'à un moment donné, je suis arrivé à saturation. Ah bon, faites-moi du mal, c'est bon. Je ne veux même plus la paix là. Je ne veux même plus vous déranger. Restez comme vous voulez. Parce que c'est comme ça. On s'habitue trop à ce que la personne nous donne. Donc, puisque je leur donnais trop le sens que je suis quelqu'un qui n'aime pas les bagarres et les gens profitaient. Donc, je dis, bon, quand vous aimez les bagarres, là, je vous laisse dans vos bagarrements là-bas, hein, je m'éloigne. Mais nous, le peuple gabonais, on est un peu comme ça. Parce qu'on veut toujours rester dans la confrontation permanente. On dit que le Gabon au sol. J'ai déjà dit au revoir, c'est encore là. C'est la politique. Le Gabon est au sol. Mais malgré que le Gabon est au sol, nous on voit le problème chez Ndingou. On voit le problème chez Claire. On voit le problème chez l'autre. On va voir les problèmes ailleurs. Mais pas le vrai problème. Hein. Le vrai problème, quoi, avec votre incapacité, notre incapacité, je vais me mettre dedans, parce que c'est quand même gabonais, notre incapacité à pouvoir enlever les bongos. Avec notre feignasse. Notre paresseux, comment on dit paresseux? Avec notre paresseux, avec nos échecs à la noix, on est incapable d'enlever Sylvia Bongo. Avec toute l'armée qui est là, qui peut se rallier à nous, avec tous les militaires qui peuvent se rallier à nous,
On est incapable, même les militaires, j'ai le mélange, il n'y a pas que l'opposition. Même eux, tout le peuple gabonais est incapable d'enlever une famille. Mais c'est pour aller dire, oh, tu m'as déçu. Et comment tu parlais de Fana Lianga, oh patati patata, oh, c'est vous comme ça. Vous allez mourir pauvre dans vos états d'esprit là. Vous allez vraiment mourir pauvre. Pas pauvre financière, oh, pardon. Comme on sait que beaucoup peuvent braquer les banques là. Et ça, c'est parti, j'étais Apple. Ils n'ont pas toujours débloqué mon téléphone. Ils n'ont, il y a toujours la chose dedans. Ils n'ont pas débloqué. Ils m'ont donné encore rendez-vous. Vraiment. Donc, si quelqu'un peut l'acheter comme ça à l'état, et puis j'achète un autre. C'est le X-Max. Amwenda. Amwenda, merci. Je suis parti. Danger, merci encore pour la participation. Merci. J'espère que vous avez fait le petit geste. Parce que parfois, il y en a beaucoup qui se connaissent là. Vous avez fait le petit geste. Et si vous avez envie de donner l'argent ou les cotisations, donnez l'argent. Il faut donner. Vous avez beaucoup d'argent, il faut donner. Je suis partie. Merci à tous. Et puis, on se dit à bientôt. J'ai un truc qui vient de se mettre là devant. Là, c'est quoi ça?